Shorty, you won't talk. Shorty, you won't talk. Don't stop, bottle pop. Shorty, you won't talk. Shorty, you won't talk. Champagne dripping, but you gotta swallow. Rip it, drop, rip it, drop, rip it, drop. Champagne dripping, champagne dripping. Bonjour, je suis Cédric Connet, j'ai 23 ans et je suis footballeur et étudiant. On va parler de ma passion aujourd'hui parce que je suis un sneakers addict. Donc voilà, let's go. Depuis combien de temps je suis collectionneur? À partir du moment où j'ai pu avoir de l'argent de poche, j'ai commencé, la folie a commencé. Donc, au départ, c'était les chaussures de foot. J'achetais que ça. J'allais même au collège en chaussures de foot, en crampons. Et après, bah, ça a viré. J'ai commencé à acheter des chaussures. Donc, la première, donc, c'était une superstar, les anciennes superstars. Donc, mon tante là, avec le scratch. Et bon, je pensais pas la revoir et bah maintenant elle est là. Voilà. Pourquoi je suis devenu collectionneur? Comme j'ai dit avant déjà, j'achetais beaucoup de chaussures de foot. Et ensuite, bah, j'ai pu avoir mon argent de poche et mon argent aussi bah, du foot. Donc j'ai commencé à être dépensier, on va dire. Et voilà, être sneakers addict entre guillemets, parce que les chaussures étaient abordables. Donc j'ai commencé à acheter à Rennes où je jouais. Et là, ça s'arrêtait plus. Avec les potes, on allait les mercredis soirs, c'était jour de pause, on allait au centre commercial et puis bah, on achetait les chaussures, on se faisait plaisir quoi. Et puis comment ça a commencé. Combien de paires j'ai? J'ai une vingtaine de paires, je pense. Moitié en plus parce que je me suis fait cambrioler il y a 2 ans. Je l'ai bien là, mais bon, c'est pas grave. J'ai compensé depuis. Avant, j'achetais que du Nike en plus, donc maintenant, depuis qu'il y a le retour des vintage, Superstar, Timberland et autres, ça a augmenté encore. Voilà, ça s'arrête plus. Ma première paire, c'était une Superstar, donc couleur blanche et avec les bandes rouges. Elle était montante avec un scratch, et je m'en souviens parce que c'était la première fois que mon père me donnait de l'argent de poche, et je suis allé l'acheter direct. Ensuite, comme je fais du foot, dans tous les clubs où j'étais passé, c'était que Nike tout le temps. On portait du Nike, on s'habillait en Nike, on faisait tout en Nike. Donc j'ai acheté une paire de Air Force, donc c'était ma première. Elle était blanche et bleue, et c'était la Air Force One. Voilà. Quelle paire je souhaiterais et que je n'ai pas? Donc j'ai pas la légende blue, donc j'ai la blue gamma 11, mais j'ai pas la légende blue, donc c'est une, elle ressemble un peu à la blue gamma, elle est blanche avec la semelle bleue, et éventuellement j'aimerais aussi une paire de Louboutin, donc cuir et semelle rouge comme d'hab. Voilà. Donc quelle est ma paire préférée? Étant Nike addict, donc je me dirigerai vers la Air Force Croco, donc je l'aime beaucoup.
Et aussi bah, la Blue Gamma, c'est celle que je mets souvent. Donc voilà, c'est ma paire préférée. Donc voilà, vous savez tout. Je suis un sneaker addict. Donc rendez-vous à la prochaine fois, hein. Ça changera sûrement, je pense. Donc ma paire préférée ou quelle paire je souhaiterais, bah, je pense que ça changera sûrement. Donc je remercie la boutique Hypnotique et le site hypnotique.fr et la web série donc I Love My Sneakers aussi, donc de me permettre de partager ma passion, de permettre de partager ma passion avec vous, donc fada de chaussures. Donc, big up à vous.